Bah voilà, du coup je sais pas du tout à quoi est censé servir cet endroit, parce que... C'est pour faire joli. C'est pour quoi? C'est pour se re-téléporter vraiment sur un Mika Buvard plus facilement, je sais pas. On en était où là, 19? Ben, il est là, le 20. Non mais je m'en fiche de où il est le 20, je me demandais dans à quel niveau 19, oui. Oh non... Tu sais pas ça? Je me suis jeté dans le vide. Ouais, il y a des trucs. Oh, pardon, Oli. Je l'avais pas vue. Elle était où? Bah, elle était dans le coin, et puis moi, je lui ai tiré dessus, mais j'ai pas fait exprès. Voilà, le parc Alice. Non plus, j'aime pas trop ce niveau. Mais globalement, la fin du niveau 4, du monde 4, je l'aime pas trop. C'est pas grave, le pire, c'est le niveau 19. Ah non, c'est pas celui-là. Mais non, c'est pas ce niveau-là, je suis désolé, en fait. Voilà, juste derrière, il y a une boîte de sardines, je sais pas quoi, là. Enfin, j'ai dit une boîte de sardines, mais c'est pas une boîte de sardines. Ah oui, donc, d'ailleurs, pour le time attack, je vous conseille un truc, c'est de rusher à gauche. Rusher à gauche, genre, on n'avait rien à faire, là. Genre, théoriquement, il y a des ennemis, là, vous en avez rien à faire, en fait. Vous prenez l'armure, elle vous tuera. Ils vous tueront pas, comme ça, et vous devez vous dépêcher. Bon, bah là, ouais, j'ai perdu mon temps, j'ai parti chercher une boîte de thon, là, qui sert à rien. Oui, mais c'est pour les machins, là, en fait. Voilà, ils sont bien placés. Si vous arrivez assez vite... ils sont bien placés et lui il commence à partir de l'autre côté et du coup Pujo tu me regardes genre oui trop bien. Bon c'est bon, t'avances quand tu veux hein. Non, tu veux pas? Oh, allez ben, voilà, eux ce sont... Et après tu oses critiquer les méca buvards alors que eux c'est pire. Non mais moi je sais pas ce que je fais hein, mais voilà. Bon. Voilà ils sont là hein. Non mais je suis un génie. Je suis un génie, c'est bon. Allez, pourquoi tu recules? Ah j'avoue que toi... Bon, en fait techniquement on s'en fiche, là c'est remonté donc on peut y aller. Pas besoin d'attendre. Enfin, voilà, du coup, bon, voilà, ce niveau, il est plutôt tranquille, en fait, mais à chaque fois, je confonds avec un autre niveau, celui-là. À chaque fois que je vois sa miniature, je confonds avec un autre niveau que j'aime pas, vraiment. Oh zut, j'ai plus d'encre. Enfin, voilà, je pense que ça sert à rien de passer à droite en premier. Go. Bon, on dira peut-être que non, c'est bien de passer à droite en premier. Donc, globalement, c'est plus simple d'aller à droite, de toute manière. Enfin, le chemin de droite est plus simple que le chemin de gauche. Autant utiliser ses vies sur le chemin de gauche. Enfin, il est plus simple... Non, c'est d'abord par là. Mais bon, voilà, du coup, c'est le niveau du parapluie. Du coup, il a des mécaniques de gameplay intéressantes. Du coup, ce qui fait que c'est complètement inintéressant avec une autre arme, je trouve. C'est clair que c'est... C'est bizarre. Ce niveau, il a vraiment été fait que pour le parapluie. Il y a une octaling, là, je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas pourquoi il y a une octaling ici, mais il y en faire, a une. C'est pour faire un combat avec le parapluie. Voilà, pour faire genre, il y a quelque chose dans ce niveau. Donc là, si vous tapez dans le truc et que vous retournez en arrière, je sais pas trop si ça va marcher, moi, en tant que... Ouais, non, je peux pas. Oh, wow, si, finalement. Voilà, il y a un ticket ici. Mais ce n'est pas fini. J'ai pas ouvert le bon truc, moi? T'as... Ah non, je sais pas. En fait, je sais même pas ce que t'as fait. Oui, j'ai appuyé sur ce bouton. Ah oui, ok. Ouais, non, mais moi, je suis parti chercher le ticket. Moi, je suis parti chercher le ticket. Mais où est-ce que t'es, là? Bah, je sais pas. Mais non, mais le ticket il était juste derrière, il était juste là. Oui? Il était juste au-dessus de toi. Je sais. Mais je suis perdu là, le bouton il sert à quoi? À faire apparaître un truc là, il sert à faire apparaître une plateforme pour avoir le ticket. Okay, okay. Hein? Le ticket, la page. Oui, c'est bon, je peux avancer. J'ai été perturbé par ton ticket. Mais oui, mais moi je monte les tickets, je suis gentil. Mais ça sert à rien les tickets, on en gagne tout le temps. Ah ouais, mais peut-être que t'en veux un de plus. Hein? Comment ça, ton nombre de tickets diminue pas? C'est pas grave. Donc voilà, là... bah non, il faut appuyer sur l'hélice. Jusqu'au bout. Attends, pourquoi il y a des trucs là-haut? Parce que tu peux utiliser le... Ah mince, il y a le truc de métal, j'ai oublié. C'est pour ça que je dis jusqu'au bout. Ouais, bah, tant pis pour moi, mais pourquoi il y a des trucs là? Mais... Tu m'écoutes pas, hein, pour ça. Mais quoi? Pourquoi mon Squid il est mort? Je rigole dans la peinture parce que t'es morte. C'est pas gentil. Eh non, sérieusement, les gens qui font ça en ligne, bah je sais pas, je vous voue une haine incommensurable, genre si vous faites ça dans une session, mais plus jamais on vous reprend. Et je ne plaisante pas. Et je ne plaisante pas, attention. C'est bon là, je l'ai vu. Oui, non, et donc du coup c'est ceux là-bas. Tu parles de ceux là, là? Non, non, de ceux qui sont juste au-dessus de moi. T'es où? Bah j'ai continué moi parce que je suis un kikou, j'ai oublié de prendre les trucs de métal, mais c'est pas grave. Ça fait mal aux yeux. Mais donc du coup ceux-là, là, comment ils récupèrent ces trucs? Trop bien. Super jump. Bon alors voilà, ça c'est
le point de contrôle pour le parapluie. Et du coup, bah moi je l'ai normal puisque je suis sur le niveau du parapluie, donc je crois qu'il faut juste jeter le parapluie. Oui, bah oui, du coup, faut pas faire ça. Oui, alors que là, il faut. Bon, alors voilà, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est avec la bombe curling. Et la deuxième méthode, c'est de jeter une bombe. Moi je préfère la bombe. Quoi? Mais laissez-moi tranquille, je regarde May lui faire des trucs. N'importe quoi. Ah, mais t'y es arrivé du coup? Bah oui. Pourquoi tu préviens jamais? Je suis arrivé. Bah en même temps, je vais mourir du coup. Mais t'inquiète, moi aussi. Bon, bref, voilà, du coup, toi tu dis que tu préfères la méthode de la bombe curling, je suppose. Oui. En même temps, voilà, hein, moi je l'ai fait sans à la base parce que je l'avais pas, donc du coup. Allez, dépêche-toi. Oh, voilà, là c'est terrible. Ah oui, d'accord, dépêche-toi. Je l'ai même pas ouvert. Bon, voilà, ici c'est quand même assez pénible en truc, voilà. Bon, c'est globalement assez pénible. Bah oui, bah. Ah, mais oui. Ça c'est pas ta technique, ça. C'est ah pas bah non, la... mais ma technique, je vais pas la montrer. C'est un secret entre toi et moi. D'accord, je vais pas. Mais sérieux? Mais t'es pas assez proche. Mais si. Ah, c'est bon. Et voilà, un pépin des ennuis. Un pépin des ennuis. Pourquoi ce niveau il s'appelle comme ça? Bon allez, il reste plus qu'un niveau, le meilleur. Bah c'est qu'un niveau 21. Oui, bah c'est qu'un niveau 21, sur le meilleur niveau du jeu. Ah mais c'est un niveau 21. Sur le meilleur niveau du jeu. Attends, je suis perdu là. Ah c'est bon. Bon, j'y étais allé sans faire exprès, mais j'ai oublié où il était. Il est juste là. Il est juste là. Le meilleur niveau du jeu. Voilà. Le meilleur. Ouais, le meilleur. Voilà, c'est bon, il est là. Hein, 19, 21. Oh voilà, tout est bien dans ce monde. Tout est bien. Non mais... Tout est bien qui finit bien. C'est sûr. Voici les octalings des tours Jirel. Les meilleurs avec leurs copains, les snipers. Copains, ouais. Parce que, voilà. Hein, c'est bon, c'est tours Jirel. Alors voilà, on a mis 36 millions de... Non mais obligé, en fait, ils ont remis ce niveau juste pour ça, en fait. C'est pour le même. Mais non, mais c'est trop bien, là. Ouais, on va faire un niveau en mode solo sur tours Jirel. On a une trop bonne idée. Bon, voilà, casser les murs comme ça avec une bombe. Vous pouvez le casser aussi en arrivant assez vite, avec certaines armes. Ça se casse avec des bombes? Ouais. Ah oui. Si tu les casses avant qu'elles... Attends, j'ai perdu. Ah non, j'allais dire. Je vais toutes les tuer parce qu'elles vont m'embêter. Donc là, il y a un truc. Ouf. Et là, après le deuxième ballon, je crois, je jette une bombe. Voilà, ça a explosé un mur. Non, pas, on peut passer au-dessus. Aussi. Donc, du coup, ici, nous avons magnifique Pygma Lance. Et ici, waouh, ok. Et ici, attends, il y avait une octaline. Ah, elle est là. Je préfère les tuer parce que elles sont fourbes. Des fois elles nous suivent, des fois elles nous suivent pas. Je sais pas trop comment ça marche. Du coup là on peut redescendre. Bonjour madame, excuse-moi, je t'ai pas vu. Mais non, elle m'a poussé. Elle m'a poussé. De toute façon sur Tour Jirel je tombe tout le temps. Normal, c'est. Jouez pas avec moi sur Tour Jirel. Normal, c'est le meilleur niveau. Je fais que me jeter dans le vide. Je sais même plus où on en était. Je crois qu'on descendait ici, ouais. C'est ça, elle est là. Celle qui m'a eu. C'est pas grave. Je fais comme si j'avais réussi à passer. Donc là, du coup, là, il y a des grilles, mais il faut passer à travers ces grilles-là pour trouver la page. Ah oui, il faut continuer d'avancer. Non, là. Non. Là, tu les as ratés. Là, des grilles, il y a des grilles. Il y a une grille, là, jaune. Tu veux passer dans la grille? Non, mais tu passes à travers la grille jaune. Là, il y a une grille jaune. Tu passes à travers. Oh. Puis je vais mourir. Ah oui, mais moi, je passe pas par là. C'est pour ça. Ça fait perdre du temps, parce que du coup, on n'a pas eu le poisson là-bas. Ouais, mais là, c'est en même temps. Perdre du temps, mais normalement tu récupères pas ces trucs quand tu fais du time attack. Non, il y a l'autre derrière, va me tuer. Trop de stress. Par contre, je sais pas ce qui me manque. Non, j'ai cassé la caisse. Bon, ah oui, c'est pas d'accord. Grave. Donc celle-là. Et... Dernière, ah oui, du coup, on n'a pas pris le même chemin. Pourquoi je tombe? Bon. Ouais, t'en restes plus qu'un, toi. Bah, il me reste celui du milieu. Ah, ok. Regardez-lui. Ah non, ça y est, il me. Attends, il me reste que celui du milieu? Ah ouais. Oui. Bon. Celui du milieu, c'est le pire, alors c'est pour ça que je vais le chercher en dernier, en fait. Voilà, moi, je récupère pas celui du milieu en dernier, je récupère... Moi, j'ai toujours récupéré celui du milieu en dernier. Je récupère celui-là en dernier, tout simplement. Bah, moi, c'est l'avant-dernier, celui que tu récupères en dernier. Ok. C'est bizarre, comment elle fait le niveau? Oh! Je vais par un tapis. C'est pour aller plus vite. Bon, le boss, où est-il? Bah, il est à côté du monde 17, 19, pardon. Et voilà, donc Milu, il trouve que le boss, le pire boss, c'est le
C'est le 3 et moi je pense que c'est lui. Oui, bah après, hein, voilà. Chacun ses goûts. Chacun ses coups. Après, il est pénible à faire avec pas mal d'armes quand même. Oui, alors que... En fait, le troisième boss est pénible pour la troisième phase, alors que lui, ce boss, il est carrément pénible selon l'arme que tu joues. C'est-à-dire que ce boss, on est censé l'affronter au concentrateur. Oui, donc il est très simple au concentrateur. Au concentrateur, il n'y a pas de problème. Mais il a été designé pour être fait au concentrateur, surtout. Regarde! Il est bien, non? Alors il a après... un canard! Il a une madame alors canard! Après, je crois qu'avec le blaster et le saut, je le fais super vite, mais genre, mieux que le concentrateur, du coup. Ouais, non, il y a les pinceaux, il est super aussi. Oui, les pinceaux aussi. Mais alors, le parapluie, je m'en sors pas. Mais vraiment pas. Mais en fait, c'est un boss. Il faut réussir à bien manipuler ses mouvements, surtout. Parce que oui, c'est un boss qui bouge. C'est en tablition, quand il nettoie, ça laisse des traces. Voilà. Ouais, donc du coup, il faut réussir à bien manipuler ses mouvements. Mais la première phase, je trouve que c'est la pire, parce que justement, il bouge pas trop du milieu en double ancreur. C'est vraiment pas simple. Bon, voilà, j'ai déjà raté. Et voilà. Voilà. Et moi, là, quand il va ici, bah, j'arrive à rien faire. Je sais que normalement, il faut jeter des trucs sur les méchants. Voilà. Attends, là, j'ai réussi, mais c'est genre, ça arrive une fois tous les 1000 ans. Là, c'est la vidéo, ça veut bien réussir. C'est trop gentil, merci. Bah, voilà. Il a... Mais ici, oui, c'est le pire, en fait, ici, parce que... Mais après, ça va, là, il y a les rails. Bon, bah, du coup, t'as fini. Non, j'ai pas fini. Bah, si. Hop là. Bon. Possible de le faire comme ça du coup. Mais voilà, j'ai recommencé à la première phase parce que je pense que la première phase, vu que c'est la pire, on peut, c'est plus agréable de manipuler ses déplacements que de tenter désespérément. Que de tenter désespérément de passer, d'utiliser le bon endroit. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pas bougé? Normalement il s'en va. Oh non, je l'ai raté. Mais voilà, non mais ici c'est le pire endroit en fait. Voilà, donc ici il est pas vraiment bien touchable parce que... Parce que voilà, ici les tirs, ils ne le touchent pas, genre. Du coup, bon, bah, j'ai plus qu'à attendre. Oh. Je veux dire, celui-là, je sais pas. Comment ça se fait qu'il est mal placé, celui-là, j'en sais rien. Celui là-bas, là. Il y en a un autre là-bas de trucs similaires. Il est très bien placé, oh, celui-ci, mais celui-là, non. Je pense que j'ai raté. Bon, il a décidé de partir. Reviens ici, c'est bien là. Voilà, tue-moi si ça te fait plaisir du moment que tu restes là. Il est parti. Oh non. Non mais toi ça va, il est pas parti dans le pire. Là. Mais moi je peux rien faire à partir du moment où il est là. Là je dois attendre. Tu peux pas le toucher. Non, je peux pas. Ah mais non, c'est vrai que toi avec ton petit fusil à pompe génial. J'attends. J'attends qu'il parte, je me balade, je rigole dans la peinture, tout ça, je fais des trucs, mais voilà, c'est rien. Puis là il va y retourner. Non, il reste au milieu, je crois. Cool, pour une fois il va pouvoir faire un truc. Ou pas. Non mais ce boss, c'est un peu un boss, il en a rien à faire de sa vie, il se balade le gars. Genre. Trop bien, moi je vais aller là-bas. Oh, j'en ai eu un. Bon après, ce qu'on peut faire aussi, une autre stratégie qu'on peut avoir, c'est essayer de toucher les... d'en toucher un petit peu un, comme ça tu essaies de tous les tuer en même temps, c'est une stratégie comme une autre. Et avec le saut, c'est le meilleur parce que bah il les sauce tous en même temps, alors c'est tranquille. Mais normalement, en fait, ce que j'essaye de faire, mais c'est que là, en fait, voilà, il faut lui sauter dessus et essayer d'aller, je crois, vers la droite, comme ça, il enchaîne ici. Enfin, normalement, moi, il va pas par là, il va je sais plus où. J'avais réussi à bien manipuler. Bon, il est encore plus rapide, hein, mais. Bah, si t'arrives, tu peux. J'arrive à le mettre là-bas et après, je le finis tranquillement. Mais voilà, là, il y retourne, sérieux. C'est le pire endroit, ici. Ah, tu dis que c'est le pire, je vois pas le problème. Très bien, cet endroit. Mais je peux rien faire, moi.
J'attends. Mais là, t'es auquel, là? Bah, je suis sur un truc de comme ça, alors les deux, pour moi, c'est la même chose. Ok. Non, parce que celui-là... J'aime bien parce que ici ils ont mis des turbos. Regardez, il va quand même pas me redoucher là. Non, c'est bon. Ici ils ont mis des turbos, mais ce turbo ne sert à rien. Genre voilà. Ok, d'ailleurs il est bien placé. Ah mais t'as fini en fait. Non. Enfin t'as fini, t'as quasiment fini. Je suis pas sûr. Bon bah. Ah mince, il fait le truc. J'aurais peut-être pu tenter d'y aller. Mais il reste ou il reste pas? Je sais pas ce qu'il fait, moi aussi. Du coup, il est parti. Du coup, je vais attendre. Du coup, il retourne au milieu, je suppose. Hein. J'aurais pu le tuer si j'avais pas été montré le fameux endroit. Hein. Bon, j'ai pas le droit de le toucher. Coucou. Mais en fait, voilà, là, il y a des petits rouleaux, on peut lui jeter dessus, mais ces petits rouleaux, en troisième phase, ils servent à rien parce que. Bon, bah, ok, il est reparti. Ces petits rouleaux, ils servent à rien parce que tu peux pas les. Parce que ils esquivent les machins en fait. Ouais, c'est... Bon, c'est quand il veut. Oh, non mais sérieux, pourquoi j'arrive pas à le tuer lui? Non, bah non, lui il est super fort. Non, non. Je peux pas le toucher, c'est le meilleur des... Ah non, il est sérieusement parti là. Ah, allez, on va essayer pour le sport. Mais bon. Non mais ici, non mais celui-là, je sais pas comment tu l'utilises celui-là. Je ne sais pas. Celui-là il est inutilisable je trouve. Parce que tu peux pas viser trop haut parce que. Bah, il est tout le temps sur le côté et sur le côté t'as moins de hauteur. Ça sert à rien. Oh non c'est bien, je vois pas le problème. Ah mince là il était revenu. Je crois que ça sert à rien de retenter. Si si tu peux. Putain, le parapluie il touche si peu long que ça. Mm-hmm. Mais si peu de portée, voilà. Non mais. Ah non il est au milieu là. Oui il est au milieu. Il bouge tout le temps, alors du coup je sais jamais où il va. Ah! Bien joué. Et voilà, c'est la fin du machin, je sais plus comment il s'appelle, tant pis. Boss nul. Boss nul numéro 30. C'est moi ou tu tiens le transmetteur à l'envers? Ah oui, bien vu. Ayo, c'est toi? Non, pas du tout, au contraire. Enfin, je veux dire, bref, oust! C'est dangereux ici, c'est pas sûr. Je veux pas pinailler, mais dangereux et pas sûr, c'est quand même un peu pareil. On s'en fiche! Vous partez, zou! C'est la dernière fois que je vous le dis. Attends, Ayo, Ayo! On dirait qu'Ayo est passé du côté des Octariens. Il faut que tu m'aides à les récupérer. Tu veux bien? Je vais prendre ce silence pétri d'humilité pour un oui retentissant. Tu sais que t'as la classe, toi. Allez, on y va. Ah, mais il est très bien en épinceau. Hein. Je vois pas le problème. Bon, bah du coup, c'est l'heure de lire des pages. Ah oui. Chasseur 2 de poissons demandé. Aucune expérience requise. Tout âge et profil accepté. Travail entre amis possible. Un moyen amusant et rapide de gagner de l'argent. N'attendez plus. Ça dépend pour qui. Avec l'ébène, le meilleur. Des volutes de fumée s'échappent des sept anneaux alors que les poissons rougeâtres sortaient de l'eau, dévorant tout ce que la terre portait d'être vivant. Mémoire du Major Pagrus, chapitre 10. Ils sont terribles les poissons. Mais alors du coup, je sais pas trop ce que c'est censé représenter ça en fait. Je sais pas, des inklings, je sais pas. Mais non, pas ça. Je parle pas de ça. Tu parles de quoi, les trucs de là-haut? Non, ça, cette page-là, c'est censé expliquer quoi? Que les poissons, ils sont méchants, ils détruisent tout sur la planète. Ok. Et ensuite, nous avons une peinture datant probablement du Moyen-Âge. Elle représente la grande migration des saumons supposée y avoir lieu tous les 70 ans. Voilà, très beau, hein, la migration des saumons. Les salmonoïdes sont réputés pour entretenir leurs armes avec diligence. Leurs poils à frire sont ainsi le plus souvent transmises de génération en génération. La fierté inébranlable aimant ses guerriers peut se lire dans leurs yeux globuleux. Animant pas aimant. Oui, bah oui. Le premier épisode d'une lumière nommée Oli sera diffusé sur SBS dans la nuit du jeudi à vendredi à 1h pile. Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous hebdomadaire et riche en conseils pour étudier et procrastiner de manière optimale. Merci Oli. Des bousculades eurent lieu à l'aéroport lorsqu'Ayo, la star des Calamazones, fut repérée par les fans alors qu'elle revenait du tournage d'une série. Le sourire qu'elle a affiché tout du long n'a pas suffi à dissimuler la fatigue qui l'accablait manifestement.
Pauvre Ayo. Elle fait de son mieux. Et voilà, Ayo, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour une prochaine partie. Ayo. Au revoir tout le monde.